Au retour du jardin, donc on s'est arrêté dans cette enseigne bizarroïde. Moi j'attends dans la voiture. Les frères ils sont partis pour chercher des packs d'eau. Et le truc qui se passe c'est que... Alors, il y a une entrée là. Il y a une entrée là. Et il y a une entrée ici. Alors quand on est arrivé, on s'est garé là-bas, là où il y a... on s'est garé là-bas. Et là-bas c'est fermé. Et là c'est fermé aussi. Et il n'y a que cette entrée d'ouverte qui est voilà. Apparemment, c'est pour la distanciation. Ouais, tu vois, genre, c'est pour la distanciation sociale. Tu vois le délire. Et le pire, c'est que les gens ils rentrent là-bas. Donc l'entrée elle est là-bas, là. On voit pas bien hein, dans la voiture, c'est là. Et ils doivent marcher. Ils doivent marcher au moins jusque là, quoi, à l'intérieur, pour arriver à l'entrée du magasin. Tu vois le délire, quoi. Ouais, Furuna Circus, là, ils vont loin avec leur truc. Hein. Tu vois, ils laissent qu'une entrée ouverte, quoi. Ma foi. Que veux-tu? One love. Bon, au-delà du fait qu'il n'y a qu'une seule entrée, alors qu'on est censé être, comment dire, respecter les distances de sécurité, il y a des sens de circulation dans les rayons. Le gros n'importe quoi. Il faut circuler à droite. Et après, quand on... Je sais même pas s'il y a deux sens, en fait. Je crois que c'est même qu'un seul sens. Il y avait un seul sens. Il y avait qu'un sens, ouais. Un seul sens de circulation. Un seul sens. Dans Géant. Géant Casino. C'est un grand magasin. Là, on fait la pub. Ouais. Géant, c'est la première et dernière fois que j'y vais. Déjà, de un, c'est cher. Et deuxièmement, trois remarques pour un masque, alors que j'avais un tissu, mais ça fait un masque. C'est comme un masque, c'est pareil, c'est du tissu. Et alors, il est où le problème? Géant, moi je vous conseille, n'y allez pas. C'est trop cher, il n'y a pas grand chose. Ouais, et c'est pas bon, voilà, je suis pas satisfait. Et il y a les vigiles, ils sont venus. Ils m'ont dit, monsieur, on est gentil, on vous laisse déjà passer, on vous a prévenu, mais faites l'effort au moins de mettre le masque. Je lui dis, mais portez mes courses alors, j'ai du poids dans les bras. Il tombe, je le remets, mais comme vous me pressez, ça va fermer, je peux pas faire deux choses à la fois. Donc je leur ai dit, oui, bah portez mes courses alors. Et le mec, il m'a laissé, donc je suis parti à la caisse. La caissière, pareil, elle m'a dit de mettre le masque sur le nez. Je lui ai dit, c'est fini, on va sortir. Et après, voilà, on est parti. Mais moi, première dit, et dernière pour Géant. J'ai dit à la caisse un peu en râlant. C'est plutôt petit, c'est pas géant. J'ai dit que c'est pas géant. Moi j'ai dit à la caisse qu'ils sortent la loi, là, qui oblige à mettre les masques correctement. Là. C'est des décrets, c'est pas des lois. Je suis désolé. Mais non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour ça. Mais ouais, c'est les gens qui se limitent eux-mêmes. Si on veut respecter la loi, on part pas. C'est ça la loi. On ne pas couvrir le masque sur les lieux publics, le visage sur les lieux publics. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et voilà, c'est la logique du Covid, quoi. La logique Covid. Le Corona Circus. Ah ouais, comme tu dis. Furuna, etc. Bon, bon ben, à la maison, là. Ben, on rentre à la maison, là. Oui. C'est par là. Allez, allons-y, c'est parti. One love.